Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sentence avec Maël, bonjour. Ah bah salut. Le gars des frimes. Ouais bah je viens de faire un clap bonjour, un clap tout le monde. Clap synchro, clap synchro. Alors nous allons continuer, de mon côté j'ai fait les mini-jeux pour qu'on puisse bien avancer. Attends, c'est mauve, t'as froid. On est à l'extérieur, on est en hiver et il fait froid les gars, ok. Il me pique le téléphone en plein live. On peut ajouter des contacts maintenant. Mais regarde, on peut ajouter des contacts. Mais c'est beaucoup trop bien. On passe à Allison. Ton père ne doit pas être... Alors je me rappelle pas. Non, attendez. Ah oui, c'est quand il dit va te coucher, ne t'en fais pas, je vais te laisser saigner l'évidence. Ton père ne doit pas être spécialement ravi que nous parlions à nouveau. Pas du tout, mon père a toujours pris ta défense. C'est ma mère qui ne m'a pas apprécié. Enfin, qui t'apprécie pas. Elle a peur de toi, lol. Je dois dire que je peux la comprendre, lol. Avocat, c'est parti. Et j'ai reçu un numéro inconnu, un enregistrement audio dans lequel on vous entend menacer Ted. Je suis innocent, combien de fois... Ok. J'ai reçu une... Bah du coup... Je sais qui est responsable de tout ça, vous êtes sûr que c'était ma voix? Bah, je suis sûr que je suis... Non, je sais pas, là, vas-y. Plutôt, vous êtes sûr que c'est de ma voix, parce que des fois les gens ils peuvent imiter une voix et ça peut être tellement bien imité que... Ça y est. Qu'on peut croire que c'est la personne. Attends, elles sont comme une relation. Très médiocre, parce qu'une fois on avait mal répondu. Ah oui, enfin, je t'avais dit de mettre la question et t'as mis l'autre truc. Ouais, mais j'avais envie de le tarter en même temps, c'est mon avocat. Oui, j'en ai la certitude. Je ne sais, il ne faisait que le menacer, cela ne veut pas dire que je l'ai tué. Il n'arrêtait pas de m'appeler, qu'est-ce que je fais? Bah ça. En mode, il faisait que m'harceler, moi je fais quoi moi? Et bah tu le bloques sur ton téléphone, et par contre, stream quality is bad. Ah ouais, mais ah oui, putain. Alors, en mode droit comme un robot. Je dois m'attendre à avoir d'autres surprises de ce genre, je suppose. Je ne sais pas. Bah, c'est la surprise. Bah, mettre, ça paraît logique. Qu'est-ce que tu veux mettre? Avocat en ligne? Bah, il est plus en ligne là, je crois. Ah si, c'est juste il est en mode. Moi, je me casse quand même. Je veux ajouter un numéro, je te jure. Non. Mais en fait, c'est idée, c'est même pas un numéro. C'est une idée. Imagine, on arrive à trouver quelqu'un. C'est tout. Recherche. Ah, mais j'ai pas fait recherche tout à l'heure, c'est pour ça. Recherche. Utilisateur triste, non, le trouvé. Non, laisse tomber, vas-y, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, laisse, il trouvera rien. Si, imagine, il trouve un truc. Sinon, on peut essayer de trouver le diable, regarde, tu fais 6, 6, 6, 6, 6. Non, mais. Et là, tu vois un gros truc qui apparaît là. Ah, mais là, je me marre. Yeah, coucou. Je suis ta mère. Tu m'as appelé? Yes, non, mais ça, c'est quelqu'un d'autre. Ah, mince, ça existe pas. Dommage, y'a pas le diable. Eh ben, ils ont pas créé d'histoire. Vous ne savez pas, mais c'est une blague, j'espère. Non, mais hé, oh, vous ne savez pas. Non, mais hé, ça va être horrible pour le montage parce que je touche partout, donc le micro ça doit pas être. Ah, ouais, évite de tout. Ouais. Si je découvre ne serait-ce qu'une seule autre preuve de ce genre, vous n'aurez plus qu'à vous trouver un autre avocat. Ah, Hélène, ah bah, quelle coïncidence. Attends. Ah, bah, Hélène, quelle coïncidence. Bonsoir. Oh putain, mais elle fait chier, les salopes. Bonsoir. Ah, c'est la journaliste, c'est celle qu'on aime. Mais oui, pas, là. Mais c'est votre connasse là. Bah, vas-y. Bonsoir et pardon de vous envoyer un message si t'as. Comment avez-vous fait pour supporter tout ça aussi longtemps? On s'y fait. Mais ta gueule, mais t'es censé m'aider, salope. Mais t'es censé m'aider, t'es censé poser des questions. Le tout, c'est de résister à l'envie de me gaver de donuts quand je suis stressée. Bah, le donut, si vous dites. C'est une salope, mais quand même, la réponse déjà faite. Bon, hop, elle est en ligne, à plus. On va attendre. Ah mais elle a juste mis un petit coucou. Oui, mais on va attendre. J'aime pas ce logo. Ouais, alors quand même, ça c'est un peu moche. C'est Hélène, salope. Dans chaque vidéo, dans chaque let's play, il y aura du Hélène la méchante. Hélène la salope. Diriez-vous que votre travail vous a transformé? J'ai l'impression que vous essayez de bien faire. J'espère que vous n'êtes pas en train de m'interviewer. Salope, bah. Oui, bah. T'as vous... pas intérêt à faire ça, espèce de grosse connasse. Bah, t'imagines. M'en bats les couilles, j'aime pas cette salope. Imagine avec regarde, elle... Mais oui, mais déjà. Glacial carrément. Ah mais là tu vois c'est là elle m'a cassé les couilles. À la fin elle va plus nous aider, elle va nous enterrer plus que jamais. Pas faux. Ah mais t'es gentille Hélène. Non je suis pas sûr, salope. J'ai fait un peu d'introspection dernièrement et j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai encore rien accompli d'important ou d'utile. Bah en même temps si tu fais mal ton boulot. Pardon de vous imposer ça, vous avez probablement d'autres tracas. Mais oui bien sûr mais que oui mais voilà. Je vais me faire juger espèce de gros salope. Notre vie est en jeu et voilà que je vous parle de moi. Mais oui mais oh putain mais quelle rarement... est... Mais j'en ai marre de ce jeu, bien sûr qu'on a autre chose à foutre. L'affaire qui me concerne, c'est un sujet un peu tabou. Mais je m'en fiche, je veux que ce soit résolu. Mais tout le monde en parle et j'y pense tout le temps. Mais tais-toi, moi je veux lui...
C'est fatigant. C'est pas fatigant, je suis arrivé au plus de putain. Je veux que vous arrêtez de nous accuser de meurtriers. Parlez-moi. Mais non, je veux pas, non, je veux pas qu'elle parle de vous. Non, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'elle. Non, je veux pas. Non, je veux pas savoir. Allez, t'es obligé. Non, t'es non, je suis pas obligé, je suis pas obligé. Mais non, mais non. Mais c'est une grosse salope. Parlez-moi de vous. Mais c'est une grosse salope, regarde. Parlez-moi de vous. La journaliste vedette du journal local est récemment venue en ville après avoir vécu à New York. Mais c'est une salope. Mais oui, c'est une vie simple, on s'en fiche de ta vie. Je suis solitaire et j'adore mon travail. Mais c'est ta vie. Mais c'est logique, t'es journaliste. Mais c'est ta vie dans tous les cas, c'est ta vie, nous. À New York, j'ai essayé de concilier famille et boulot. Ta gueule, putain. Mais il s'est avéré que la famille et moi, ça fait deux. Ouais, bah on te met pas en couple, salope. Vous avez malgré tout essayé. Mais on s'en fiche, on veut pas savoir plus. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Nous, on veut résoudre le mystère du meurtre. Non mais encore, ça je m'en fais, je veux juste que je sois innocenté. Mais oui, c'est ça. Pas suffisamment à l'évidence, je n'ai pas d'enfant. Bah tant mieux. Bah encore heureusement, parce que comme c'est une grosse salope. Que voulez-vous dire? Bah qu'elle a pas d'enfant, mais c'est quoi ces questions? Mais tu vois, mais ce jeu est pété, il est claqué au sol, mais c'est bon, Je récupère le petit téléphone. Si j'avais eu des enfants, je me serais donné plus de mal. C'est totalement faux. Et moi je dis j'ai une fille mais ça n'a pas empêché ma vie de famille de voler en éclats. J'ai essayé de me consacrer à la fois à mon travail et à mes proches mais les choses ne pouvaient pas durer ainsi. Et elle va dire... Non mais... Les seules personnes dont j'ai fait le bonheur sont probablement les avocats du divorce. Ah, on va pas laisser ma chaise là. Comment vous êtes-vous retrouvés par chez nous? Vous voulez retourner en dehors parce que s'il vous plaît allez-y, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, barrez-vous. C'est cassez-vous, vous êtes chiante là. Hélène, non, Hélène. Parce que c'est en anglais, c'est moi qui dis Hélène, moi je suis français. Oui, c'est pas le E à la fin. I speak French, I'm very sorry. Je suis venu avec mon ex-mari, nous en avions assez de la grande ville. Mais c'est ton ex, tu l'as quitté. Retourne-y, putain. Et pensions que c'était l'endroit idéal pour fonder une famille. Mais tu l'as quitté, retourne-y, on veut plus te voir. Tu retomberas dans ses bras. Nous imaginons, nous ont déjà nos enfants jouer dans le jardin et barbecue estivaux. Mais tu n'as pas d'enfant, casse-toi. Il est en mode vénère. Mais bien sûr, je suis vénère. Putain, regarde, elle nous parle de sa vie, on sent pas la race, on a rien à foutre, on a rien nous à tirer. Nous avons déjà nos enfants. Ah oui, c'est... J'en ai rien à tirer de ces gosses. Mais nous ne faisions qu'à mentir de nous-mêmes car notre couple battait déjà de l'aile. Mais il va plus bien, votre couple. Mais il est mort, votre couple. Alors pour l'heure, je n'ai pas l'intention de repartir à New York. Quel dommage. Cela valait pas peine d'essayer. Ah non, attends, je vois. Cela veut dire que vous avez bien. Aucun sentiment pour lui. Ta gueule, tu retournes, salope. Ouais, mais elle a pas attention, mais je veux qu'elle y retourne. Elle nous raconte juste notre vie, sa vie en disant ouais, j'étais avec Macha, j'ai. Ah, mais attends, mais elle est forte là, parce que du coup, c'est intéressant à sa vie en répondant ça. Merde! Je suppose qu'au bout de quelques mois, on connaît déjà les défauts de l'autre. Et on sait déjà. Dans quoi on s'engage. Salope, mais ta gueule, on s'en fiche. Là, je veux que tu me dises oui, sinon, t'as de. Il est pas mort avec vous. Mais putain! J'ai eu mon bas la race! Ou bien car on refuse d'admettre ses erreurs. Votre honnêteté vous honore, vous pouvez passer me voir. Non, non, tu pas, non, mais non, 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 tu ne passes pas me voir, salope. Quoique non, ça va peut-être améliorer. Bah, ça a pu changer la situation. Je m'en fiche, je m'en fiche, ça reste une grosse. Elle nous a pas mis de rouge, c'est des deux. Merci de m'avoir écouté. Mais je voulais pas t'écouter, tu m'as forcé. Dis ça, moi, tiens, je te passe mon baratin et tu fais avec. Je pouvais rien faire d'autre. Au fait, je pourrais vous rendre visite, vous... Ah bah... En vrai, voilà, mais... Mais merde! Mais non! À demain, alors! Voilà la réponse que ça a donnée. Mais viens pas! Je veux pas te voir! Espionnage, hashtag 3. Ah, un nouveau espionnage. Ah, putain, on décore le sapin. Oh, qu'est-ce que c'est? Et coucou les enfants! Attends, c'est ah, une non, vidéo. Mais là, c'est bleu, quand même. Y'a du son ou pas? Je sais pas. Bleu vient de Max pour l'exploser les oreilles. Non, arrête. Mince. Magnifique! On décore, mais du coup, on a pas vu s'il y avait des indices. Y'a pas de son. Ouais, la petite fille met une bouboule sur le sapin. Il est tellement moche et magnon. J'imagine quand même un pédophile qui joue à ce jeu. Mais ça doit être horrible. Non mais ça dégage. Magnifique. C'est bah du coup, attends, mais du coup... Attends, mais sur YouTube ça va pas passer parce que ça coûte des enfants. Petit monteur, tu peux flouter le visage de la petite gamine? Non mais ça a rien à voir parce que c'est un jeu. Pas grave, mon jeu. Tant que t'as des images d'enfants YouTube maintenant, il peut te bloquer les commentaires à cause de ça. Ah ouais? Oui, c'est des fils de pute. Bon, tu sais que quand tu mets des vrais enfants, oui. Mais normalement, mais pas... n'importe quel enfant. Si tu fais un truc que même des dessins animés peuvent te bloquer les commentaires. Magnifique, c'est notre petite puce adorée. Mais ta gueule. Attends, c'est qui? Enfin, c'est qui a... Ah, c'est qui, Jenny? Je sais pas, c'est la nouvelle, c'est avec la petite fille, là.
qui a montré... L'adaptif de Hailey. Oh, ça va, elle est encore sympa, elle. Bon alors, c'est notre petite puce. Oh, c'est vrai qu'elle est mignonne. Passe donc nous voir, tu lui manques énormément. À chaque fois que tu viens, c'est comme un jour de fête pour elle. Je viendrai. Oh, c'est mignon. Bah, il n'y a même pas besoin de parler, on avait juste à lire et à écouter. Oh, le Zava. Henri, nous avons un problème. Enfin, oh. Tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la journaliste? Si c'est à cause d'elle. Une autre fille a disparu. Ah non. Ah, ok. Bah, si... De toute façon, c'est pas nous. Hein. Si c'est Hélène qui a disparu, bah là, je suis content. Je veux qu'elle disparaisse. Hélène a disparu. Sachant qu'ils n'ont toujours pas lancé de véritable enquête concernant la première fille enlevée, Samantha Novak, la situation s'aggrave, c'est un fait. Mais on est assigné à résidence, comment ils veulent qu'on fasse quelque chose? Le lieutenant veut... Mais on est enfermé chez nous, comment on peut? Enfin, je sais pas, mais là c'est bizarre, non mais là ils sont cons. Tu pourrais bientôt avoir à témoigner sur ce sujet. Mais lequel? Mais on a rien fait. J'en ai marre, mais ça me pète les couilles. Attends, on a combien? Putain. On en a 16 minutes, ça va. Ah, par bien contre, bien, mais c'est chiant, il y a le streaming machin bad. J'espère que vous le voyez pas, mais si jamais ça y est, ben on s'excuse. Je suis assigné à résidence, comment aurais-je pu l'enlever? Ah, c'est ce que je viens de dire, oui. Bon, on va même pas le temps de dire l'autre, c'est bah, vrai. Ouais. Comment aurais-je pu l'enlever? C'est ridicule! C'est ça, c'est... Oui. C'est comme si t'étais en prison et que tu tuais des gens. Ils pensent que tu es un complice. Mais quoi? Mais toujours plus! Mais c'est une blague! On se fout de ma gueule! Et... Le complice est parti en vrille. Non mais je suis totalement sain d'esprit. Tu vois, c'est certes, Hélène elle me pète les couilles mais plus que jamais. Mais là, ça toi, se trouve, oui, toi, c'est elle qui fait tout. Hein, ouais, ça se trouve, c'est Hélène la plus grosse salope du monde. Elle fait, ouais, style, je suis sympa, je veux être comme toi, etc. Elle nous pose des questions, mais pour déposer des preuves. Mais c'est ça. Mais c'est une grosse salope. C'est ça. André est du grand n'importe quoi, je n'ai aucun mobile. Et quel mobile pourrait avoir ce complice? Bah allez, ouais. Mais je n'ai aucun mobile, parce qu'on s'en fout du complice. Ouais. C'est nous qu'il faut sortir d'affaire, c'est pas lui. Lui, on s'en bat les couilles, on sait même pas qui c'est. Garde ça pour l'enquêteur lorsqu'il t'appellera. Ah. On va se faire appeler. Ouais. C'est Masson qui est en charge de l'affaire. Et tu sais à quel point il t'apprécie? Waouh. C'est sarcastique ou pas? Je sais pas. Tout ce qui l'intéresse... C'est ta peau, c'est bon, c'est sarcastique. On verra ce qu'il va dire, mais... Tout ça à la suite au prochain épisode. Non, pas déjà. Là, bah merde. Oh, j'aurais pu penser que tu aurais eu le temps d'écrire, comme ça aurait été plus simple. Non, mais en fait, je crois que ce jeu est tellement foutu que quand tu quittes, ça fait pause. Ouais, je pense, ouais. C'est de trouver comment te mettre l'enlèvement des filles sur le... Ah, tu vois, c'est du sarcasme. Ah, punaise. C'est du sarcasme. Et la fille qui est, ça pourrait être... une fugue. Non, parce que ça pourrait être une fugue. Oui, parce que la fugue, ça veut dire que ah bon, c'est pas guisé, ça veut pas de nous. Alors que c'est une fugue, oh, je la connais, mais c'est pas ça, une fugue. C'est ça, elle a fugué, voilà. Alors que là, mais c'est qui? Et c'est juste Bella Green. Mais c'est qui elle? On n'a jamais entendu parler d'elle. Si c'est la sœur d'Hélène, je te dis, je la tarte. Raquette électrique, un avis de recherche a été émis avec sa photo, la voilà. Connais pas du tout. Mais qu'elle est moche en plus. On ne juge pas. Bah, un peu quand même, là. Je suis désolé, mais là, un peu quand même. Non, je plaisante honnêtement, je m'en fiche. C'est qu'un jour, on va pas... Mais nous devons avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Ah. Oh. Je vais mener ma petite enquête. Et là, tu sais quoi? On arrive à lire en plus. Tiens-moi informé, s'il te plaît, il n'y a peu de gens sur... Il n'y a que peu de gens sur... Bon, j'arrive pas à lire à la fin. Tu me tiendras informé, hein. Mais on prend le code. Votre relation n'est pas assez bonne pour... Oh non! Quoi? Non! Mais quoi? Mais pourquoi c'est... Non! Pourquoi Zavaski? On a dû faire des bêtises! Mais Zavaski, mais attends, mais Zavaski... Là. Hein? Oui, d'accord. Mais je comprends. Ah, je crois que lui aussi, t'es avec les points d'interrogation et tout, là. Je sais pas, mais... Ah, mais je comprends maintenant, parce que tu vois, il y en a vraiment pas mal! Ouais. Punaise. Ah, bon, bah, dommage. Bon, bah, je comprends maintenant. C'est pour ça qu'il faut tout le temps essayer de trouver la bonne chose. Mais bon, non, mais la journaliste, par contre... Oui, mais enfin voilà, les gens gentils, il faut essayer de mettre de la bonne relation. Mais je savais pas qu'il était gentil, moi. Tu es conscient de tes risques que je prends? Je ne peux rien te promettre. Ah. Mais on n'a même pas pu répondre, ok, merci. Enquête. Il y a des rumeurs en ville. Mais ta gueule, mais putain, mais pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Elle va nous dire, tiens, il y a machin qui s'est fait. Enfin voilà. Le bruit court qu'une autre. Mais on sait, on est déjà au courant, mais t'es inutile. Putain. En fait, dans ce jeu, dès qu'on sait un truc,
Bah juste après t'as la personne qui va trop bâcher ce qu'on va apprendre. Dès qu'on apprend un truc, t'as Hélène qui va répéter la même chose alors qu'on s'en bat les couilles elle. C'est comme si on va dire, ouais non c'est pas moi j'ai rien fait, mais tu sais qu'il y a machin qui s'est fait cambrioler, machin. Le bruit courant du machin, il paraît que les forces de l'ordre ont arrêté un suspect. Ah pour une fois que c'est pas moi. Mais qu'elles ne veulent pas que ça s'ébruite car il s'agirait d'un policier. Est-ce vrai concernant la disparition? Je veux dire. Ok, affirmatif, il s'agit de Bella. Non, on dit pas qui c'est. Faut pas dire qui c'est. Oui, mon collègue. Vient de... Bah oui, je sais. Mais on est dans la merde quand même, on est dans la merde. Parce que les deux, c'est oui, on est au courant. On aurait dû dire non, c'est rien. Ouais, mais il y a pas le choix. Parce que si on aurait dit que c'était machin. Ouais, mais là, c'est oui, ils auraient pu croire que c'était nous. Alors que là, on est juste averti. C'est bien plus pratique pour eux de tout te mettre sur le dos. Bah oui, en même temps, j'ai une carapace, une tortue. Nous avons une tortue. Vas-y, montez, ouvrez-nous une carapace qui arrive. Pas comment. Ninja Turtle. C'est bien pratique, oui, avec ce prétendu complice et tout le reste, ça leur fait moins de travail et surtout moins de problèmes. Tout le monde s'en fiche, non? Bah, ta gueule, Hélène. Là, j'ai qu'une chose à dire, ta gueule. Tout le monde ne s'en fiche pas. Moi, je m'en fiche pas, moi, je vais peut-être aller en taule quand même. Allez vous faire voir, Mi. On parle d'une fille qui a disparu. Non, c'est qui, Miguel? C'est moi ou pas? Oui, c'est nous. Non, c'est lui. Mon ami, ouais, c'est notre ami. Ouais, mais tu vois, mais. Ah oui, c'est notre ami d'enfance. Mais ta gueule, mais par contre, t'insultes pas, Mickaël. Ouais, c'est ça. Mais ta gueule. Ça vous est vraiment égal. Mais tais-toi. Comment est-ce que ça peut vous laisser indifférent? Mais c'est moi le problème, c'est pas toi, Hélène, mais tais-toi, mais t'es. Et que suggère vous de faire? Non, mais en fait, il y a une embrouille. Ouais, on va les laisser discuter. Non, on va faire ajouter. Allez. Ça marche pas, ça n'y tire pas, j'arrête. 8, 4, 3, 1, 2. Oh, je sens qu'il y a de la douille là. Et là, yes, tu as ajouté, je sais pas qui. T'as ajouté le tueur. Ah, ce serait cool. Comment on écrit tueur en anglais? Je sais pas. Killer. K-I-L-L-E-R. Bah oui, c'est vrai. Et. Oh bah oui, bah il faut attendre. Qu'est-ce que j'irai vous de. Ah oui, j'ai oublié, ça m'était sur pause quand je quittais. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit de pas y aller. Passons des heures à pleurer sur le sort d'une personne disparue que l'on ne connaissait même pas. C'est. Pas personnellement. Mieux vaut se concentrer sur. En tas. Et moi alors? Moyennement, c'est plus nous, mais bon. Non, mais Samantha, c'est celle qu'on a tuée quand même. Non, celle... non, c'est... non, on a tué personne. Hein. Mais non, mais... On est censé avoir tué oui, Ted, voilà. Mais on n'a pas tué. Enfin... Mieux vaut se concentrer. Mais oui, mais pourquoi t'es. Oh putain, non, mais. Allez, vous allez voir tout ça en premier. Ah, bah c'est sorti, je crois. Parce que j'avais une oui, bulle apparaître. C'est monté. Alors. J'ai juste peut-être monté à luminosité, non? Parce... Non, on y voit? Ouais, pas faux. C'est juste qu'il y a un moment où c'était tout sombre. Ah bah ça dépend si tu fais rien, oui c'est un auto. D'accord. Si notre coupable a enlevé une deuxième fille, alors c'est que la première est probablement déjà morte. Elle n'a simplement pas encore été retrouvée. Mickaël a raison. Hélène a raison. Non, 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 non mais Hélène, non, mais ta gueule voilà, Hélène. Non, mais Hélène, toi t'es, mais t'es voilà, une regarde, grosse salope. Mais... On a bien fait. Ouais, mais on a... Comme on a des relations pas mal avant. Bah oui. Nous on aurait peut-être dû du coup. Bah non. Mais si, parce qu'on a des mauvaises relations avec elle. Mais ça se trouve, ça aurait mis rouge alors qu'on était. Ben, pas faux. On peut pas savoir. C'est aussi votre avis, Henri, que Samantha est morte? Bah. Bah non. On ne sait pas. Tant que c'est ni trop peu, pas assez. Et que. Nous perdons du temps à nous curer les... sans savoir qui a raison. Au pire, je me doute écoutes, qu'après avoir été policier toute sa vie, Henri a eu sa dose. Là en fait elle est en train de prendre une défense, elle veut, et alors attention, j'espère qu'il y aura un petit bip parce que, bah, mon petit moteur tu vas bip, je sais pas. Bon, en gros là, elle veut notre bip. Avant de mettre la vidéo sur YouTube, tu me l'envoies. Tu me l'envoies. Mais normalement le monteur c'est Nervas, il sait faire. Tu lui dis d'enlever le bah, ce que oui. J'ai dit parce oui. Que c'était une grosse connerie. Oui. Pardon, je vais à... Ah, mais vous, Mickaël, comment arrivez-vous à rester si calme? Oh, bah tu sais, l'expérience. Pardon, je vais arranger ça pour les cris et les exclamations pour commenter. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça nous suffit, Mickaël, nous formons une équipe à présent. Sérieusement, Hélène, il ne faut pas laisser nos émotions prendre le dessus. Ah, les deux sont bien. Ta gueule, Hélène. Oh, bonne relation, enfin, relation améliorée, bien. Ta gueule, Hélène. Mais du coup, attends, avec Mickaël, là. Lui, on est toujours très bonne entente. Et notre... attends, Hélène. Est-ce que ça va remonter? Ah, bah toujours glacial. Et vous, bah, nous c'est nous. Bah, nous c'est très bon. Nous c'est le hot du top. Je vais suivre l'exemple. Je suis l'exemple de Mickaël. C'est bien, ça voilà. C'est une bonne chaîne. Après tout, c'est lui l'expert. Ok, voilà. on enlèvera encore ce que j'ai dit, je sais pas si t'as entendu. Quand? Et là, ce que j'ai dit il y a 10 secondes. Ouais, j'ai pas fait attention. Heureusement, mon petit moteur, tu enlèves, on entend. Si jamais, ouais. Danse de l'été. Je vais enquêter sur Bella Green. Mais fallait pas nous dire le nom!
Putain. Mais ça fait qu'elle sait qui c'est. Qu'elle. La salope. C'est elle là, tu veux, je te l'ai toujours dit. La Quant salope. à vous, Mickaël, arrêtez donc vos sarcasmes et de me dire quoi faire. Allez, Bah. revenons à nos moutons. Et des petits moutons. Et on peut faire sauter des moutons de 1, 2, enfin t'en fais sauter 5 à peu près. Et à partir de. Claque des doigts à ma place, s'il te plaît. Maintenant. Attends. Attends. Maintenant. Voilà. Maintenant. Bon, maintenant, c'est à partir de. Maintenant, des petits moutons. Et puis, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que le tueur de Ted et le ravisseur de Samantha ne font qu'un? Samantha était la copine de Ted, non? Mais oui, bah, vas-y, 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 vas-y. Vous pensez que c'est qu'une coïncidence? Bah, oui. Ah mon dieu! Vous Bien pensez sûr que que ce n'est qu'une oui. coïncidence? Non mais allô quoi! T'as cru que, voilà? Bon tiens, il est un petit peu là, là, je Ok. mesure un peu. En se basant sur les blessures que présentait le corps de Ted, on peut affirmer que notre tueur n'est pas un psychopathe. Cette personne ne prend pas de plaisir à faire souffrir. D'ailleurs, dans la vidéo, on le voyait s'occuper de Samantha. Il s'occupe même très bien d'elle. Je pense que c'est un bon mari, ça. Alors, pourquoi n'avons-nous pas de vidéo de Ted? Tu peux vérifier Parce que qu'on a reçu une j'enregistre. vidéo il y a pas Tu longtemps. peux vérifier que j'enregistre bien? C'est le petit carré là? Oui, c'est bon. Bah c'est bon. Par contre, on n'a Non, pas on va pas reçu de vidéo. rechercher, mais. Peut-être sur internet, il y a peut-être. Non, Ah non, non, mais bah c'est c'est nul que les jeux. internet. C'est nul internet. Danse de l'été. Il ne s'agit que de la théorie. Bah c'est. Et Hélène, pour une fois que tu dis un truc Ouais, intéressant. voilà, Je sachez vais mieux que chercher des t'avais. infos concernant Bella Green. Non mais ta gueule maintenant Hélène, non on veut autre chose. J'ai appris que. Mais pourquoi tout le monde s'en parle? C'est qui elle? Madame. Ah Ah, mais c'est. c'est la mère de Samantha. Une des filles enlevées. Ouais bon on a une nouvelle assumée. Mais en même temps elle nous accuse tout le temps dans notre salade. Une autre fille avait été enlevée. Plus le temps Passe passe, moi, ma ma Samantha Samantha a a des besoin. chances de s'en Je suis sortir. désolé mais je crois qu'elle a clamsé là. Que Mais fait vraiment. la police au juste? Non mais là je crois qu'elle a clamsé. Mais pourquoi elle nous raconte ça à nous en plus cette salope? Que Que fait fait votre équipe? Mais je croyais que tu nous détestais. Comment avez-vous obtenu un enregistrement de ma conversation avec Ted? Comment c'est que c'est elle? Je sais pas moi! Bon pas grave, il y a des choses. Pourquoi Pourquoi est-ce est-ce que que je je vous le vous le dirais? dirai? Parce qu'on peut savoir. Bah parce que tu nous accuses alors que là on est assigné à résidence, comment on aurait pu tuer l'autre connard, hein, l'autre salope. Mais là tu bipes encore ça, petit monteur. Tous les moyens sont bons pour sauver Samantha et punir celui qui a fait ça. Mais c'est pas nous! Calmez-vous, je vous Calmez-vous, prie, oui, qu'attendez-vous de moi? calmez-vous. Ouais, mais Non, non, qu'attendez-vous de moi? non, Non mais c'est. non, non, Non! non! Pourquoi? Fallait dire que qu'elle se calme! Mais je m'en fiche, là je veux dire, hé, là je veux que le temps il monte, là je veux dire, hé, mais 1v1. Octogone! Scatagne. Je sais que vous êtes mêlée à tout. Mais. Tu vois, fallait dire calmez-vous. Mais calme-toi, espèce de gros salaud! C'est moi, je lui ai dit. Retrouvez Samantha, ou bien l'avocat aura encore plus d'indices. Et pourquoi ne pas les remettre à la police? Bah oui. Ah oui, parce que sinon notre avocat vient de nous lâcher. Elle est intelligente, celle-là. Je vous laisse une Mais semaine. réponds à la Tu question! dirais une inflexible. Mais Je vous t'es. laisse une Mais elle est semaine en pour ligne, mais. parler. L'avocat, bonjour. Non, mais c'est une blague, mais c'est quoi cet Bon, avocat tout on classe? enchaîne, on enchaîne. Il est claqué cet avocat. Je me trouve que. Ah oh. Ah Ouh! oh. Oh mon dieu. Là, tu mettais du Avec sang le de deuxième cure la enlèvement, Bimba, ils là. sont tous sur les nerfs. Ah là, ça va. Et là, on sait qui. On sait que c'est vous. Là, c'est la merde. Je crois qu'ils ont peur Peur que la que. presse fasse des histoires et que le FBI débarque. Et Non, mais lorsqu'il carrément! Non, mais. concerne. Non, mais allô quoi! Et l'autre? Il y a Il y des a des chances chances qu'ils qu'il me nous libèrent. libère? Non, 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 non. Et en ce qui me concerne, faut savoir. Là, t'as bien fait de me dire parce que moi j'allais dire il me libère quand? Bah, c'est ça, Parce moi. que honnêtement, je me retrouve dans cette situation, je me retrouve comme ça, je dis vous me libérez quand? Vous me libérez quand? Vous me libérez quand? Vous me libérez quand, salopard? Tu dis ça et Ah, tu demandes! Bah, tu vas rester. Il S'il y a commence à. des policiers qui regardent la vidéo, pas de panique. Je suis un bon. Il est tout gentil. Tu gentil. Il commence à douter de votre culpabilité. Et puis personne n'aura. Pas de policier n'aura de mes vidéos, hein. Je suis pas aussi populaire que ça. Ça t'en sais rien. YouTube, c'est grand. Mais il y a quand même de nombreuses preuves contre vous, vos empreintes sur le briquet. Mais c'est mon briquet en même temps, c'est mon briquet! Le fait que vous n'ayez pas d'alibi, mais il était chez moi! Les Sans oublier messages, sans vos. oublier vos Non. Mais je antécédents, suis il flic, va bordel! sans dire que l'accident de travail, la théorie selon laquelle vous aurez un complice, mais nous n'avons pas de complice. Je suis associable! Personne n'est au N'est au courant courant concernant concernant l'enregistrement pour l'enregistrement l'instant. pour. Ils veulent mettre les enlèvements. Non, mais en gros, l'enregistrement que l'on voit, l'envoyer à l'avocat et pas à la police. À la tienne. J'espère que ça Merci. s'est pas entendu, mais à la tienne. Bon, on va couper, on reprend.
Personne n'est au courant concernant l'enregistrement pour l'instant. Ils veulent me mettre les enlèvements sur le dos. À mon avis, ils auront bientôt d'autres chats à foutre. On va dire qu'ils veulent nous en... On va faire la petite victime, tu vois. Toujours faire la victime quand tu te fais interpeller. Comme ça, ils vont dire, oh la victime, tu veux trop pitié, par... Danse de l'été. Ils veulent vous mettre derrière les barreaux, peu importe les charges. T'inquiète, t'inquiète. Ça va pas se passer comme ça, Cocolito. J'ai réussi à obtenir un ajournement. Le procès se tiendra dans 2 semaines. 2 semaines? Non, mais en fait, il aura le full temps. D'ici là, j'espère que nous en aurons de nouvelles informations. Ils vont forcément trouver quelque chose. J'ai fait marcher mon réseau pour en savoir plus sur Bella Green, la seconde victime. Cette jeune femme de la classe populaire, une famille, un père alcoolique. Ah, le père alcoolique, ça c'est un vrai. Ça tient la route, Samantha et elle se ressemblent. Le papa est alcoolique? Bah, à preuve. C'est bien les alcooliques. Samantha est probablement morte, on devrait se concentrer sur Bella. Nous devons réfléchir à comment retrouver... Bah oui, ça... retrouver. Non. Mais c'est la théorie de Hélène, Hélène est une grosse salope. La théorie de Hélène. Toi, c'était la théorie de Hélène, comme quoi elle était pas morte, Samantha. Nous, on avait dit qu'elle était morte. Qu'elle soit morte ou qu'elle soit pas morte, faut chercher. Et si elle est morte, on va sur Bella. Ouais, mais c'est la théorie de Hélène. Il faut voir son cadavre, ah. Ouais, bah, mais il fallait voir regarde, maintenant elle se met à parler, la grosse salope. C'est pareil, on aurait mis l'autre, elle aurait parlé aussi. T'en sais rien. Sur le nom de la sœur. Mais tu vois, on parle de Samantha et elle. Putain, mais tu vois, j'ignore si elle est disposée à parler. Non, mais on va l'appeler. Mais on aurait parlé de Bella, on aurait parlé de Samantha, on aurait parlé de Samantha, on parle de Bella. C'est pas logique. Ou même si elle a conscience que sa sœur a disparu, je veux lui parler. C'est moi qui m'en occupe, je suis diplomate. Vous me laissez faire, t'inquiétez pas. Par contre, faudrait peut-être éviter que la relation se détériore. Voilà ses coordonnées. Ah, ça c'est bien. Elle s'appelle Agnès. Oui, mais 3, 8, 3. Bon, tu retiens 3, 8, 2, 4, 5. 3, 2, toi, tu retiens 2, 4, 5. 3, 8, 3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. 3, 8, 3, 2, 4, 5. On va voir si ça sert à ça. Attention. J'ai une doigt. Voilà. Ça a marché. Agnès. Je l'aime pas, c'est une grosse salope. Mince! Ah non, c'est bon, elle est là. Alors, en ligne. Bah, surtout, on fait la fin. Quoi? Je voulais qu'on fasse la fin là-dessus. T'inquiète. On va faire un gros let's play, on va dire. Un très gros let's play. Comment avez-vous eu mon numéro? Et on termine sur ça. Allez, à plus, les gens. Allez, hop. Bon, bah, du coup, c'est la fin sur ça. Attends, ça fait pas un truc quand même. Oui. C'est en mode. Vous saurez la suite juste après l'épisode, enfin, le let's play, quoi. Bah sur ce, j'espère que le let's play vous aura plu, je sais pas si vous nous voyez bien, parce que... J'espère que le montant aura bipé toutes les grossièretés que j'ai dit, enfin pas toutes, mais celles qui sont vraiment très très grosses. Non. Parce que le monsieur à côté dit des vulgarités, hein. Je dis pas que des vulgarités, j'en dis juste pas mal, parce que je suis un bonhomme. Un bonhomme, y'a quoi? Un bonhomme. Ouais. Bah t'en as pensé quoi de cette partie? Alors cette partie était très sympa, parce que du coup on a découvert une nouvelle fonctionnalité qui me plaît bien, c'est celle ajouter un contact. Aussi, je vais faire un YouTube, allez vous abonner, les gens! Tu mets où YouTube dans la description? Ce sera mon tour de le faire. Non, dans la description. Ah non, la description, c'est à moi de le faire, pardon. Oui, enfin, juste que j'y pense, juste que je me fasse le rappel. Mais ouais, parce qu'en fait, vu que la description est déjà mise automatiquement, ça fait juste okay, que quand je te dis tel jour va sortir, juste me dise un jour avant, ou voilà. Okay. En mode. Mon YouTube! Bon, en tout cas, ça enregistre donc. Quand tu vas revoir la vidéo, tu y penseras. Oui, mais c'est quand je vais la revoir, c'est quand elle sera déjà mise en ligne. Ouais, mais du coup, tu pourras la rajouter rapidement. Ouais. Tu vas. Puis on verra. Mais du coup, là, c'est vraiment la fin. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Tu peux quitter. Non, parce que du coup, ça enregistre encore l'audio. Oui, mais l'audio sera sur le téléphone là-bas. Non, pas comme ça. I can't stand the way you always leave me.